Bonjour messieurs, dames, nous sommes dans le cours 326 d'art dramatique avec le transfert du personnage. On va parler de choses très sérieuses qui permettent à l'acteur de ne pas être malheureux dans sa vie de tous les jours après avoir sorti de scène. C'est parti! Alors, ce soir, nous sommes dans le cours 326 d'art dramatique. Et de quoi vais-je parler? Je vais parler des partenaires au théâtre. Les partenaires, par exemple, vous êtes un comédien, vous voulez une ou un partenaire qui joue, qui vous renvoie la réplique, qui joue le rôle. Alors, il va se produire un phénomène assez étrange dans cette relation partenariale, on va dire. Une situation étrange, je dirais même très étrange. Parce que le personnage qui va jouer en face de vous, il va avoir son propre caractère et vous le vôtre. Jusque-là, on est d'accord. On va jouer la comédie. Très bien. Le spectateur, il va apprécier cette comédie. Mais que va-t-il se passer lorsque la caméra va arrêter de tourner et que les partenaires vont se retrouver à dialoguer ensemble normalement, comme d'habitude? Eh bien, le partenaire qui vous parlait, il va toujours être dans son personnage qu'il interprétait à la scène. Il va être absorbé par ce personnage à tel point qu'inconsciemment, il va vous répondre avec le caractère du personnage théâtral et non pas avec le sien propre de caractère qui était son caractère habituel. Il avait un caractère habituel, il était sympathique, il était aimable. Et puis tout à coup, après avoir joué la scène, il est transformé et ça devient un personnage. Le personnage qu'il intègre dans la pièce de théâtre. Et vous êtes décontenancé parce que dans la vie de tous les jours, les personnages théâtrales n'ont rien à voir dans votre vie de tous les jours. Et ce phénomène d'absorption du caractère se produit parce que celui qui a interprété le personnage n'est pas apte à se rendre compte, à prendre conscience qu'il a été phagocyté. Il a été absorbé par le personnage et quand il sort de scène, il reste dans son personnage. Mentalement, il ne fait pas le switch entre le théâtre et la réalité. Parce que ce sont des acteurs qui n'ont pas pris le temps de développer leur art correctement. Parce que l'art de jouer la comédie ne se résume pas à jouer devant la caméra, ça serait trop facile. N'importe qui peut se mettre devant une caméra, faire n'importe quoi, des fantaisies, tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est très bien pour la caméra. Mais ensuite, quand il revient à la maison, le personnage, s'il continue à faire ses fantaisies, ses machins, il va vous taper sur les nerfs. Parce que ça n'a rien à voir entre le hors de la scène et devant la scène. Devant la scène, on peut se permettre certaines fantaisies que dans la vie de tous les jours, on ne va pas les exprimer par respect de ceux qui nous entourent, de ceux avec qui on vit. Et le métier de comédien se juge justement à cette capacité de pouvoir ranger son personnage théâtral dans un placard lorsqu'on sort de scène.
Et cette capacité de ranger son personnage lorsqu'on sort de scène, elle s'acquiert très lentement avec de l'expérience, beaucoup d'expérience. Personnellement, il m'a fallu 30 ans pour arriver à placer mon personnage à l'extérieur et revenir normalement sans être impacté par son personnage. Parce qu'il faut beaucoup d'expérience pour ça. Il faut avoir joué des personnages, il faut avoir vécu le drame pour pouvoir ensuite comprendre que c'était un drame et que ce drame, on n'a plus à le refaire et à le comme une rengaine, comme une obsession, comme quelque chose. On fait un transfert en fait. Le personnage fait un transfert. On fait le transfert du personnage et ensuite on n'arrive plus à se débarrasser du transfert. C'est très dommageable pour la plupart des acteurs quand ils rentrent chez eux et qu'ils ont des relations normales, s'ils restent absorbés dans le personnage. La scène chez eux, ils sont très malheureux. Ils font des gens malheureux. Ils provoquent des mini-drames à la maison. Et ça, c'est le rôle fondamental d'un professeur de théâtre qui doit vous apprendre ça, justement, à dissocier la scène de la réalité. C'est pour ça que, quand par exemple vous regardez des télé-réalités, ce qu'on vous dit à la télévision, qu'on voit sur France 2, sur toutes les chaînes d'ailleurs, hein, on voit des gens qui parlent à la télé, qui s'expriment normalement. C'est pas ça. Parce que quand on est devant une caméra, on joue un rôle. Et ce rôle que l'on joue va ensuite nous impacter dans la vie de tous les jours. Donc c'est très dangereux de dire à des gens, jouez un rôle comme ça, faites votre numéro devant la caméra, vous avez du talent, vous faites n'importe quoi, c'est bon. Et non, c'est pas bon. Parce qu'il faut voir le retour. Le retour, les ennuis qu'ils vont avoir à cause de ce personnage. Ils vont faire un transfert, comme je vous dis. Et ça, c'est classique, c'est obligatoire. Quand je jouais le personnage d'Ivan Ivanovitch, c'est un personnage raté qui a tout raté dans sa vie. Mais dans ma vie aussi, de tous les jours, je me prenais pour Ivan Ivanovitch, que j'avais tout raté dans ma vie, que voilà, j'étais... Quand je jouais le personnage de Courteline, après dans ma vie aussi, je jouais ce personnage qui aimait pas les femmes, qui... Ça vous impacte, vous voyez ? Le personnage, et c'est terrible quand, par exemple, je regarde des grands acteurs à la télévision, et puis quand je compare leur vie privée, qu'en privé ils sont pareils qu'à l'écran, il y a un problème, il y a un problème, un gros problème. Voilà, si vous avez compris ça, c'était le cours 326 d'art dramatique. Alors, bien sûr, ça, ce sont les conséquences de la comédie. Il faut apprendre à dissocier le personnage. Et après, il y a les techniques pour dissocier. La technique, c'est... on peut y arriver par différentes techniques dans psychologie qu'on appelle les hypnothérapeutes qui arrivent à dissocier le personnage, c'est-à-dire... à lui faire changer de cap. En quelque sorte, il faut savoir faire un peu de l'auto-hypnose sur soi pour pouvoir changer de personnage, retrouver notre vie normale et ensuite replonger dans le personnage au bon moment. Alors, cette dissociation, il faut pouvoir la faire, il faut pouvoir comprendre les mécanismes psychologiques, faire des études là-dessus, bien sûr. Ça prend du temps. Ça prend des années, parce
Après, il va falloir faire des expériences en plus qui vérifient que vous avez bien compris. Et quand vous êtes capable de faire la part des choses dans votre esprit, ensuite, quand vous retournez à la vie normale, vous êtes tout à fait logique avec les gens qui vous entourent. Et non pas fantaisiste à point, délirant, plein de créativité qui n'ont rien à voir avec le milieu dans lequel vous habitez. Alors, je parlais de l'auto-hypnose ericksonienne. Non, l'auto-hypnose humaniste aussi. Ça marche bien. C'est-à-dire, c'est un recueillement sur soi. C'est une méditation, en quelque sorte, qui permet de reprendre source en soi et se débarrasser de toutes les impuretés qu'on a emmagasinées avec le personnage théâtral. C'est très important de savoir le faire. Sinon, vous courez à la catastrophe. Malheureusement, c'est ce qui arrive dans tous les cas, pratiquement. C'est tous les gens qui sont victimes de leur personnage. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. C'était le cours 326 d'art dramatique. Le transfert du personnage théâtral, on va appeler ça comme ça. Merci, au revoir, à bientôt. Thank you.